Alors, j'ai un souvenir assez précis de ma sélection à Cannes, à la Semaine de la Critique. Bon, d'abord, parce que c'était mon premier long métrage qui s'appelle Les Invisibles. Donc, on est toujours extrêmement anxieux de ce qui va se passer pour un premier long métrage. Et évidemment, la Semaine de la Critique est un lieu auquel on pense naturellement. Moi, j'avais un passé assez chargé de critiques, donc j'étais allé beaucoup à Cannes, mais dans une autre configuration. Donc pour moi, aller à Cannes avec un film, c'est forcément, c'était assez, on dirait encore plus important peut-être même que pour les gens qui n'ont pas ce passé-là. J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, moi, j'avais ce sentiment-là. Et je me souviens des premiers échos avant même que le film soit sélectionné, où effectivement, comme tous les réalisateurs, on attend anxieusement et de sentir un peu la tendance. Et quand j'ai eu un premier contact avec Jean-Christophe Bergeon, qui m'a laissé entendre que le film plaisait et qu'ils y pensaient pour l'ouverture, c'est vrai que voilà, d'emblée, on essaie de pas trop se réjouir. Mais enfin voilà, il y a eu un mouvement qui s'est passé autour de ce film qui était dont on savait pas très bien quand il allait, qu'est-ce qu'il allait devenir exactement à ce moment-là. Et donc voilà. Et donc bon, l'ouverture en plus c'était quelque chose de la Semaine de la Critique. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez particulier puisque ça se passe vraiment. Il y a un côté un peu événementiel, même si évidemment la Semaine de la Critique existe en dehors de cette ouverture-là. Donc on a pris la balle au bond d'une manière très très favorable. Et en ce qui concerne la partie proprement dite de présence à Cannes, j'ai un souvenir qui est sans doute assez banal d'une certaine manière, c'est-à-dire au fond, c'est la première projection du film public, donc on est extrêmement attentif à ce qui se passe. Moi, j'ai pas réussi à revoir le film en entier dans la salle. J'aurais bien aimé, mais j'avoue que j'ai craqué au bout de 40 minutes, parce qu'en fait, c'est assez éprouvant pour un réalisateur aussi de revoir son film avec un public, même si, surtout quand c'est le tout début, parce qu'on sait pas, on est attentif à la moindre respiration, au moindre rire, au moindre craquement, et du coup, c'est très éprouvant. Donc j'ai le souvenir plutôt d'attendre devant la projection, devant la salle du Miramar, fumant cigarette sur cigarette. Et ensuite, j'ai le souvenir d'un moment avec les comédiens, Laurent Lucas, qui était là pour aussi un autre film qui faisait l'ouverture du festival cette année-là, Lemming, Lio, Margot Abascal, je crois que Michael Lansdale n'était pas là. Oui, c'est ça mon souvenir. Et donc, d'un moment comme ça, très joyeux, très. Au fond, ça a été quasiment mon meilleur souvenir sur ce film, c'est Cannes, parce qu'au fond, c'était le moment où il n'y a pas tant de moments où on peut se réjouir sur un film. C'est-à-dire que le financement est compliqué. Bon, il y a le tournage qui est un moment, mais qui est un moment de travail assez intensif. Puis bon, toute la fabrication du film. Et puis il y a la sortie qui n'est pas forcément un moment très facile à vivre si on est dans une configuration comme celle-là. Donc Cannes a été le moment où on s'est réjoui et on a joui d'une certaine façon de la présence du film, quoi, et de ce qu'il était, de son. Voilà. Et je pense que ça a été ça pour moi la principale. Le principal souvenir, c'est en plus d'être à la Semaine de la Critique dans un endroit qui est à la fois exposé et protégé, je dirais, c'est-à-dire on est dans le bon endroit pour un premier film, je trouve. C'est vraiment aussi pour ça que ça existe, d'ailleurs, la Semaine de la Critique, mais c'est un bon endroit pour être là sans être de prendre de plein fouet tout ce que Cannes peut générer. Et en même temps, ça permet évidemment de montrer le film parce qu'il y a aussi un énorme impact international. Vous voyez, après, le film a beaucoup circulé dans plein de festivals et c'est vrai que c'était lié à ça aussi, à sa présence à Cannes et à la Semaine de la Critique, puisque les gens voient le film. Donc c'était un peu, voilà, moi j'avais l'impression que c'était ma première internationale. Donc c'était comme si j'avais été en compétition ou j'avais fait l'ouverture officielle du festival. Pour moi, c'était la même chose à mon niveau et j'étais vraiment ravi au fond voilà, de cette expérience-là, de ce moment-là vécu en live, parce que finalement, voilà, c'est pour un premier long métrage aller à la Semaine de la Critique comme ça, c'est une vraie chance, quoi. Sur la sortie proprement dite, sur les chiffres, on est sorti un mois après. À mon avis, ça n'a pas énormément d'impact parce que les gens, le public, à part des gens très cinéphiles et très précis, n'identifient pas énormément les films de Cannes, sauf
Films qui auraient été en compétition, très médiatisés, ou bon, voilà, qui ont fait l'ouverture de la. Bon, mais en dehors de ça, après quinzaine, semaine de la critique, certains regards, ça ne change pas énormément de choses de ce point de vue-là, parce que finalement, je pense que sur les chiffres, ça joue pas beaucoup. Après, il y a des films qui marchent, d'autres pas, mais c'est pas particulièrement lié à Cannes. En revanche, je pense que c'est symboliquement important aux yeux. C'est de la profession, c'est un mot un peu fourre-tout, mais enfin en tout cas aux yeux du monde extérieur ou aux yeux du monde du cinéma, d'être présent voilà, à cet endroit-là, avec un film qui de toute façon était un peu pointu, ça a eu je pense, un impact positif sur l'image du film et sur éventuellement mon image en tant que réalisateur, et ça a eu un impact très positif, comme je le disais précédemment, sur la circulation du film à l'international, où là le film a vraiment vraiment circulé un peu partout dans le monde. D'abord avec la semaine de la critique, puisqu'on est allé à Beyrouth, il y avait un échange avec Beyrouth à ce moment-là. Ensuite, en Mexique, à Morelia, au festival de Morelia, à 400 km de Mexico. Donc ça, c'était deux lieux qui étaient liés à la semaine de la critique et où j'ai pu aller. Et puis, pour plein d'autres festivals, l'international, forcément, parce que bon, la semaine de la critique, comme d'autres sections, mais en tout cas, a une histoire, a une image, et les gens y vont aussi pour découvrir des films qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir ailleurs, quoi. Et donc, là-dessus, ça a eu un impact, je pense que c'est le principal impact au fond, c'est presque plus sur l'international que sur le territoire national que ça a joué d'une manière positive. Ce que j'ai pas dit aussi à propos de la semaine de la critique, pour moi, c'est que c'était assez marrant et éventuellement, comment dire, pas paradoxal, mais curieux de se trouver à la semaine de la critique, pour moi qui ai été critique auparavant, c'est-à-dire du coup d'avoir été jugé par mes pères ou mes ex-pères, si je puis dire, père, P-A-I-R-S, et de me retrouver en tant que réalisateur et non plus critique dans ce contexte-là, ça avait un côté aussi assez drôle finalement et assez paradoxal de me retrouver aussi à la semaine de critique et pas ailleurs, quoi. J'attache de l'importance, oui, à cette sélection par un comité de critique, parce que évidemment, comme je connais assez bien la question de la critique, je sais aussi que en principe les critiques sont ceux qui sont un peu aux avant-postes pour la découverte des films, c'est-à-dire qu'il y a quand même un endroit où ils doivent être un peu plus lucides et ou en tout cas plus avoir une vision plus clair ou plus en avance d'une certaine façon que d'autres. Donc pour moi c'était important d'être reconnu aussi par non pas par la confrérie, parce que bon, c'est pas une confrérie, mais en tout cas par des personnes individuelles qui étaient voilà, présentes dans ce comité, dont je sentais qu'il y en avait qui avaient beaucoup aimé, d'autres peut-être moins, c'est normal, parce qu'il y a une... Bon, enfin, personne n'a manifesté d'hostilité, et au contraire. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que je crois que le garçon qui a présenté le film pour la semaine, c'était un garçon qui écrivait plutôt à positif, ce que je trouvais assez amusant aussi dans ce contexte-là, parce que ça voulait dire aussi que là, on n'était plus dans les guerres de chapelle, mais dans un autre contexte où le film voilà, pouvait exister en soi, sans que la référence à cahier qui est positif ou je ne sais quoi soit essentielle. Donc au fond, je trouvais ça très, très intéressant dans ce que ça produisait, voilà, d'un au-delà de la critique aussi, d'une certaine manière, pour moi, quoi. C'était à la fois paradoxalement une manière d'être, je sais pas, sacré, mais enfin en tout cas choisi par des critiques, mais pour moi comme un dépassement de la critique en ce qui me concernait, quoi. Du coup c'était assez drôle. Il y a un autre souvenir que je voulais évoquer par rapport à la semaine de la critique cette année-là, c'était le souvenir que j'ai de Ottario Celiani, qui était parrain de la semaine de la critique. C'était un parrain très orthodoxe, si je puis dire, et donc je me souviens des moments, je me souviens que j'avais passé un moment avec lui avant d'ailleurs qu'il fasse son intervention, si je puis dire, classique dans le cadre de la... Mais effectivement, c'était assez drôle parce qu'on voit bien... alors je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir des cinéastes comme ça qui parrainent la semaine. Et en même temps, on se retrouve... Enfin, dans le cadre d'Ottario Celiani, c'était... pas du tout quelqu'un qui avait un discours voilà, traditionnel ou de maîtrise ou de... je ne sais pas comment dire, paternaliste, c'était vraiment beaucoup plus rock'n'roll et beaucoup plus à sa façon, quoi, c'est-à-dire pas assez chaloupé, on va dire, et assez improvisé. Et donc je me souviens très très bien des moments comme ça, puisque j'ai été invité à participer en tant que cinéaste présent la semaine de la critique. Je me souviens de ce moment-là comme d'un moment aussi assez drôle et assez décalé.